On parle de François Hollande, justement. Nouveau rebondissement dans l'affaire Gérard d'Allongeville. L'ancien maire d'Hénin-Beaumont veut faire citer le président de la République comme témoin. Gérard d'Allongeville doit être jugé fin mai dans une affaire de fausse facture présumée. Il souhaite que François Hollande, ancien secrétaire du Parti socialiste, explique ce qu'il savait du financement de la Fédération du Pas-de-Calais. Ce procès doit se tenir du 27 mai au 14 juin. Gérard d'Allongeville comparé aux côtés de 20 autres personnes devant le tribunal correctionnel de Béthune. Il est poursuivi dans cette affaire pour détournement de fonds publics, faux et usage de faux, ainsi que favoritisme. Il faut savoir néanmoins que le statut pénal du chef de l'État, réformé en 2007, prévoit que le président en exercice ne peut être ni mis en examen, ni interrogé comme témoin dans aucune affaire.